What do you know about the Krays? Moi, je suis Yuxek. Their music? Moi, je suis Bordinsky. Their style? Je suis un mec sympa. That's all. Écoutez, on va continuer l'interview inversée comme ça. Moi, ça me plaît, ça vous va? Ok. Now this is Alive with the Krays. Tonight. The Krays, c'est un projet en fait qu'on a fait tous les deux. Un jour, Brody est venu au studio, il m'a dit ce serait cool qu'on décide de faire quelque chose de différent et de travailler ensemble, parce que depuis le temps qu'on travaillait ensemble, on s'était dit autant faire un projet tous les deux. Comme on avait fait pas mal de remix, Brody et moi, sous le nom Yuxek et Brodinsky, on s'est dit tiens, on va officialiser le truc, et on a trouvé un nom. Voilà, qui est The Krays, et on s'est dit tiens, on va faire de la musique sous ce nom là et on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais entre moi avec Yuxek et lui avec Brodinsky. C'est un peu difficile de surprendre des gens avec un clip, donc le rôle du clip à l'heure actuelle il est assez minime. Mais cela dit, il y a des gens qui de temps en temps arrivent à faire un truc vraiment original et dont les gens se souviennent. Mais moi, c'est sur les 10 dernières années, j'aurais du mal à citer 5 clips que j'ai trouvé vraiment cool. Bon, après, c'est parce qu'on n'est pas impliqué, c'est ça. Non, mais enfin même, je pense que très franchement, il y a un truc un peu de. C'est devenu le truc obligé. Enfin, tout le monde fait. Tu sors un album, tu fais 3 clips, voilà, c'est le truc, c'est très bien. Mais. Mais je trouve que le principe est bien dans l'idée. Ouais. Le truc, c'est que maintenant, on est obligé presque. Quand on sort un morceau et qu'on a envie qu'il soit connu, on est presque obligé de faire un clip. Avant, et là je parle même si j'ai 20 ans, avant, plus t'étais... tu vois, tu pouvais sortir des vinyles et puis être booké pour ça, quoi. Aujourd'hui, il te faut une image, il te faut un visage. Il faut que les gens puissent mettre un visage sur ta musique. Il faut que les gens puissent mettre une image. Pas seulement un son, quoi. Ils sont obligés, t'es obligé de faire, de créer une marque pour toi-même. Donc ouais, le clip en fait partie. Et c'est un peu dur la musique électronique en ce moment, enfin je trouve, enfin, pour ma part, là je parle en tant que QC. C'est qu'il y a un truc tellement mainstream dégueulasse, radio, de musique électronique, enfin tu vois, Fun Radio, FG, en France, je suis pas en particulier. Mais ce qu'on appelle la musique électronique maintenant, on peut parler mais de c'est ça mondialement, quoi. Une espèce de dance horrible qui est diffusée à la radio, donc faire de la musique électronique à l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais il y a un truc, c'est plus underground, enfin tu vois, c'est plus un truc machin, c'est hyper mainstream dans une partie. Mais tellement dégueulasse que voilà, je trouve ça, je trouve qu'il y a une image un peu bizarre, enfin il y a un truc un peu excitant aussi et transgressif qui est un peu disparu de cette histoire là. Mais ton nouveau morceau qui est juste un peu plus rock, un peu plus ouais, bah après ça c'est autre chose, c'est plus des envies personnelles ou des trucs comme ça, et que moi personnellement ça m'excite moins, mais ça m'excite moins de le faire tout seul en tout cas. Après ça m'amuse de faire de l'électro avec Louis pour The Krays, avec Steph, anciennement Aeroplane, Peter and the Magician, voilà, d'avoir... Mais maintenant, la musique électronique, pour moi, ça doit être un truc de rigolade et à faire avec un copain, quoi. Et tout seul, au studio, je préfère faire d'autres trucs. I loved.